franchement, on s'est bien battu contre les Rainbow Friends. Ils ont clairement rien pu faire. Hein. Regardez les muscles de crayon, c'était obligé qu'ils allaient perdre. Patate, mais t'as pas fini de toujours fouiller le frigo, là? Eh, hey, viens ici un peu, on allait parler de business, là. Bah oui, il faut que t'écoutes la stratégie. Eh, hey, les Rainbow Friends, ils vont pas se vaincre tout seuls, les mecs, hein. Vous, vous croyez que c'est terminé, mais bien sûr que non. Ils vont revenir, j'en suis sûr. Et cette fois-ci, il faudra être encore plus préparé, ok? Max, t'as une idée de qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour se défendre? La banane? Hein? Mais tu me prends pour qui, toi? C'est toi, la banane? Ouais, il est fou, lui. Du coup, maintenant, il faut absolument qu'on aille à la rencontre des Rainbow Friends. Voir s'ils sont toujours énervés. Peut-être qu'on peut discuter et négocier. Les abonnés dans les commentaires, vous pensez que les Rainbow Friends peuvent être gentils? Si on leur demande gentiment? Peut-être, en vrai, parce que hier, on s'est juste défendu avec des coups de poing parce qu'ils nous frappaient. Alors que si, on avait dit non, s'il vous plaît, frappez-nous pas. Peut-être qu'ils nous auraient pas frappés, en fait. Ah, c'est dommage que j'ai pas une petite voiture, là. Ah, what? Je vois un truc rouge, les gars, sur la montagne, il y a du mouvement. Attends, me dis pas qu'ils ont ramené un nouveau soldat dans leur team. Ils sont en train de revenir après ce qu'ils nous ont fait. Quelle erreur. Rainbow Friends, préparez-vous à l'attaque. Allons-y. Ils sont en train de nous regarder, je pense qu'ils savent qu'on est là. Hein. Cette fois-ci, on fait pas la surprise. Bonjour les Rainbow Friends. Ouh, wesh, oui, oh, j'ai cru qu'il allait partir. On vient en paix, ne nous attaquez pas. Attendez, pour vous montrer que je suis gentil, je vais dire à mes amis de rester derrière. Restez derrière, les gars, vous inquiétez pas. Si jamais il m'arrive quelque chose, je crierai... pipi caca. Ok, c'est bon pour vous? Ok, bon. Allez les mecs, restez là, ne bougez pas. Bonjour les Rainbow Friends. Ne m'attaquez pas, s'il vous plaît. Je suis gentil, je suis venu en paix. Voilà, je stresse un peu parce que c'est un peu effrayant quand même. Surtout que hier, on vous a un peu cassé la bouche, donc à tout moment, vous voulez vous venger. Oh, viens avec moi, Red, faut qu'on discute entre grandes personnes. Oh, tes potes sont un peu bêtes, hein. Ils savent rien dire à part manger, pipi, caca, des trucs bizarres, quoi. Hier, j'ai attaqué tes amis parce qu'ils avaient kidnappé mon pote Patate. J'avais pas le choix de sauver mon pote. Est-ce qu'il y aurait une solution pour qu'on fasse la paix? Oui, tu dois devenir le fils des Rainbow Friends. Wesh! Non mais là, c'est trop. Comment ça, le fils? Ça veut dire que l'un de vous sera mon papa et l'un de vous sera ma maman. Oui. Ok, ok. Je dois en parler avec mes abonnés, je reviens. Oh là là, comment je les ai bien éduqués, ces bons toutous là, regardez comment ils bougent pas. Oh, bravo mes petits chiens-chiens, tu veux une croquette? Je rigole, wesh. Wesh, ils me grognent. J'ai parlé avec leur chef, il s'appelle Red, et c'est le seul à parler normalement dans leur team. Donc il m'a proposé un truc, et je veux savoir si vous, ça vous va. Les abonnés, n'hésitez pas à répondre en commentaire aussi, parce que votre réponse peut être importante. Il m'a proposé de rejoindre leur team, d'être le fils. Des Rainbow Friends? Est-ce que vous pensez que c'est dangereux de faire ça? Oui, oui. Oh. Mais tu sais ce que c'est bien? C'est que j'adore le danger! Bon les gars, rentre à la maison tout seul, j'ai trouvé ma nouvelle famille, allez, ciao les mecs! Team jaune pour toujours, hein. Mais bon, je vais être avec un peu les Rainbow Friends. Oh là là, les gars, je vais être le fils des Rainbow Friends! Regardez, ils sont en train de partir. Monsieur Rouge, je suis là. J'accepte votre proposition de devenir le fils des Rainbow Friends. C'est lesquels, mes parents? Eux. Quoi? Oh, mais comment ils sont moches! Oh, la question que j'ai à vous poser, si vous voulez que je sois votre fils, est-ce que vous avez des Robux? Oui, non. Comment ça, oui, non? C'est oui ou non, pas les deux! Bizarre, ça commence mal. Si toi, tu m'as dit oui, ça veut dire que tu peux me donner des Robux. Et au pire, avec l'autre, je vais négocier. Et elle est où, votre maison? Mais c'est pas une maison, c'est un taudis, ça! Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de choisir ça? Bon, bah vous me faites la visite ou je vais le faire tout seul? Ok, ça c'est quoi? Oh, c'est stylé, c'est le garage. Waouh, lourd! Garage de ouf, on se croirait dans GTA V. Ok, ouh, on est un peu serré. Ça, chambre. Ils mettent qu'un seul mot dans leur phrase, wesh. Chambre, garage, y a pas de phrase en fait, c'est juste des mots. Ok, y a qu'un seul lit, on va dormir où? Bureau. Ah, je dors sur le bureau? Ouh, je vais avoir un peu mal au dos, je pense. Ouh là là. De toute façon, j'ai plus le choix, j'ai déjà dit oui. Je suis déjà en train de regretter mon choix. Enfant Tic-Tac? Non, je m'appelle pas Tic-Tac. Mon prénom, c'est Oda. Niam-niam.
Comment ça, gnam gnam, wesh? Eh, si vous avez faim, vous commandez McDo, hein, c'est bon, hein, on est en 2022, maintenant, il y a des Uber Eats, Deliveroo, vous allez pas me saouler, hein, moi, je vous le dis. On mange quoi, ce soir? Parce que je commence à avoir le ventre qui gargouille. Carton. Toi, mange carton. Ah! Est-ce que vous avez de la mayonnaise, au moins, wesh? Tu crois que je vais manger du carton nature? Parce que bon, sinon, ça va faire un peu sec. Ketchup, là. Ça, c'est du ketchup? Mais vous êtes fous, c'est pas du ketchup, c'est du sang! Oh, mais vraiment, vous confondez le ketchup et le sang? Mais c'est quoi cette maison de fou? Dessert. Quoi? Oh non. Les gars, le dessert, c'est une tête de mort. Qu'est-ce que j'ai fait de choisir cette famille? Les gars, si un jour vous pouvez être adopté par les Rainbow Friends, dites non! C'était une mauvaise idée! Oh, mais vous êtes dégueulasse, vous me réveillez avec vos bruits de bisous, là! Ça me dégoûte. Regarde, ils sont en train de baver en se faisant des bisous, c'est vraiment trop dégueulasse. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, papa et maman? Suis-nous. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire, je peux savoir ou... Viens, mécanique. D'accord. Ok, d'accord. C'est une belle voiture, hein. Franchement, J'ai faim! Green a faim! Je vais manger le tic-tac. Ça pue un peu ici, wesh. Y'a quelqu'un qui a fait caca dans les buissons ou quoi? Bizarre un peu. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Toi, réparer voiture? Mais vous avez cru que j'étais un mécanicien ou quoi? Bon bah vas-y, je vais la réparer, y'a aucun souci. Les abonnés, vous pensez que je devrais la nettoyer et la réparer? Ok les gars, je vais essayer de faire de mon mieux. Hein. Je suis pas mécanicien, mais j'ai vu Fast and Furious 12 trois fois. Alors normalement ça devrait aller. C'est parti pour la réparation et le lavage de la voiture. Allez, je vais laver comme ça. Eh oh les Rainbow Friends, descendez, j'ai réparé votre voiture. Et du coup on fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui? Toi? Prison? Comment ça en prison? Aïe! Aïe ouais! Qu'est-ce qui s'est passé encore? Pourquoi je suis en prison? C'est quoi ce bordel? Eh oh! Y'a quelqu'un? Mais tu vas te taire. J'essaie de dormir. Hein? Mais c'est qui a parlé? Oh non, je crois que c'est un prisonnier qui est à côté. Tu m'entends? Oui, je t'entends. On n'entend que toi. Tu sais pourquoi je suis en prison? Je comprends pas ce qui s'est passé. J'étais avec la famille des Rainbow Friends et tout d'un coup, je me suis retrouvée là. En plus, c'est une prison de haute sécurité, ça. Ça se voit. Tu sais ce qu'il faut que je fasse pour sortir d'ici? Fais une musique Rainbow Friends. Une musique Rainbow Friends? D'accord. Je vous fais écouter un petit morceau de la musique Rainbow Friends, les gars. Mais si vous la voulez en entière, il faudra attendre qu'elle sorte. Et ce sera le mardi 11 octobre sur YouTube en clip et sur Spotify en musique. J'espère que vous serez nombreux à l'écouter, ça va être une dinguerie. Elle est trop bien ta musique. Bon, et ben voilà les gars, je vous ai montré à quoi elle ressemblera la musique. Et du coup là, normalement vous êtes censés me libérer, hein. Eh oh. Oh, ça s'est ouvert. C'est bon. Oh, j'étais dans la cellule 2. Oh, j'aime pas le chiffre 2, moi. Oh, c'est toi. C'est à ça que tu ressembles. Mais t'es trop mignon, t'es un petit chaton. Ah, attends, je vais essayer de te libérer. Si j'appuie sur ce bouton, peut-être que... Oh, c'est bon, ça t'a libéré, suis-moi. Suis-moi, 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 on va partir, on va partir. Et tu t'appelles comment du coup, toi? Chapiteau. Je crois qu'il essaye de faire une blague. Ok, Chapiteau, viens avec moi. Il faut qu'on s'échappe de cette prison au plus vite. Sinon, les Rainbow Friends vont nous trouver et nous manger. Maintenant, il faut que je retrouve mes amis. Suis-moi. Mon dîner blague, c'est là, c'est grand genre. On voudrait que je lui chante une chanson.